Damn bro, je voulais juste vous signaler, cette vidéo devait sortir le 24 décembre avant que je parte à Paris, mais suite à un problème avec Vegas Pro, elle sort que le 4 janvier. Enfin bref, bonne vidéo à tout le monde. Damn bro, c'est Benny, est-ce que vous allez bien? Mais Tug, écoutez-moi ça, super, aujourd'hui on se retrouve pour un opening les gens, parce que je sens que je vais avoir de la chance tout simplement, parce qu'il y a 2 jours de cela, c'était mon anniversaire. Et là on est le 24, donc le lendemain c'est l'anniversaire du petit seigneur. Et d'ailleurs je l'ai vu dans mes rêves et il m'a dit, va ouvrir tes colis mon pote, tu vas avoir le couteau papillon, le coup de poing américain, la clé à molette, la batte de baseball, le cocktail Molotov, tout ce qui va avec. Donc c'est parti les gens, donc public match, voilà c'est très bien. Black Market, et c'est parti les gens, donc j'ai 424 kills de cryptage, on va voir si la chance est avec moi. Donc je vais offrir quelques normaux et je vais finir avec des rares. On va faire ça au camp, poser, pépère, ok c'est parti les gens, premier colis. On va voir si j'ai de la chance. Ce que j'ai rarement dans ma vie. C'est ça, tout le coup, j'ai eu un peu de chance, c'est pour le physique, tu vois. Je suis un peu beau et bref, c'est pas le sujet. Bah ouais, commence bien. Une moustache, pourquoi pas, une moustache, ouais. Une moustache, quoi. Une moustache, mon pote. Bref, on va quand même pas trop traîner à cause d'une moustache. Allez, c'est parti, deuxième colis, les gens. Ouais, bah comme c'est parti là, je crois que je vais ouvrir que tes rares, hein, mon gars. Parce que, vas-y, je suis encore une fois en normal. Et s'il me fout rien de rare ou d'épique ou légendaire, j'ouvre que des rares. Parce que sinon, le couteau, je vais me le mettre directement dans les fesses et ça va faire mal. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pas mal. Ah, bah voilà, là, il se rattrape, tu vois. Là, il se rattrape. C'est quoi ce camouflage? Il a l'air pas mal. Le camouflage a l'air beau. Là, on a un truc donc pour la KRM. Donc, c'est une batteuse, si je dis pas de bêtises. Et voilà, bref. Allez, bah, on va continuer un peu les normaux, hein, du coup, hein, vu que j'ai eu un peu de chance ce colis. Mais... le Storm pour la Weevil, mon pote. Ah, le Storm, je vais l'avoir sur toutes les armes, ça continue. Et c'est un de mes camouflages préférés, mais j'aimerais quand même des nouveaux camouflages. Ça me ferait plaisir, tu vois. Alors, ouais, un camouflage pour le couteau de mes couilles, ouais. Rose, mon pote. Ouais, ok, c'est plutôt violet. Bon, allez, on continue. Non, mais j'espère vraiment avoir une arme, un fameux couteau papillon, je sais pas quoi. Mais putain, j'ai tellement pas de chance, moi. Regardez, là, j'ai rien eu du tout. Inferno, c'est bien l'arme que j'ai eu 10 000 fois. Bon, écoutez, les gens, à 300 kills de cryptage, j'ouvre que des rares. On va faire ça? On fait ça. De toute façon, c'est moi qui décide, t'as pas le choix, mon pote. Même si tu me dis, non, fais pas ça. Non, c'est moi qui décide. Ok? Et tu vas... tu vas te calmer, hein. Tu descends de ton ton quand tu me parles. Quand tu me parles, tu vas sur une truite, pas sur un ton. Bref. Allez, petit accessoire légendaire pour la Weevil. Ça fait plaisir, mon pote. Parce que la Weevil, c'est une excellente mitraillette. En hardcore, je la conseille. Alors, ouais, un déguisement pour le nomade. Le spécialiste que je m'en bats le plus les couilles. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toujours ça. Hein. Faut bien le débloquer un jour, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pour la Shiva. Encore, putain, la Shiva, il me file tout le temps des trucs. Et la Shiva, c'est bien l'arme que j'utilise jamais. Quoi. Bref, continuons. Je sais même pas, putain, j'enchaîne. Je sais même pas, je suis à combien de clés de cryptage, du coup. Alors, voilà. De la merde. Bon, bah encore 2 colis normaux, puis j'attaque les rares, et là, putain, j'espère avoir un couteau papillon, une clé à molette, ou quelque chose, je sais pas, moi, un de ces couteaux que tout le monde cherche en ce moment, là. Putain, ça fait combien de temps? Une semaine qu'il y a eu les mises à jour, j'ai encore rien eu, quoi. Et sachez qu'avant ce... Wouah, le Storm pour la Pharo. Je vous avais dit, le Storm, je vais avoir pour toutes les armes. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu sais pourquoi j'ai le Storm pour toutes les armes? Parce que moi, je suis du tonnerre, mon pote. Je suis comme ça. Entre toi et moi, il y a un coup de foudre. Ok? Bon, bref. Ben, on attaque les rares. C'est parti. C'est parti, les amis. Warthorn. Alors ça, je connais pas du tout les gens. C'est sur la Gorgon. Ça, j'irai le voir. Parce que moi, perso, je le connais pas. Donc, je vais aller le découvrir avec vous. Donc, Gorgon, on retient, c'est Warthorn. Allez, c'est parti. On continue. Ouais, je disais donc que j'ai déjà ouvert 500 clés de cryptage que j'ai pas filmé et j'ai rien eu avec. C'est pour ça que j'ai pas posté la vidéo, d'ailleurs. Ouais, je crois que je vais les avoir dans le cul, les couteaux, les coups de poing américains et tout ça, mais bon, j'ai eu quelques camouflages sympas, mais bon, quand même, quoi. C'est pourquoi le Reaper, moi, je sais trop bien lire, mon pote. Ouais. Je crois que le Père Noël, il va mettre une bonne carotte avant le 25 décembre, hein. Merci, gros, hein. Là, il est en train de me faire un gros sourire à la mode, hein. En mode, ouais, t'auras rien du tout pour Noël, même pas une clé d'amolette. Pourtant, j'ai été sage. Le Ice, on le connaît tous. Le Ice, je pense que vous connaissez tous. Le Ice, ben, c'est le glace. Ouais, j'ai le jeu en anglais, c'est bon, me faites pas la réflexion. On me le fait souvent en live. Pourquoi t'as le jeu en anglais? Bah ouais, j'ai le jeu en anglais. Voilà. Donc, ouais. Pour la Preachy. La Preachy. C'est un pompe vraiment à chier, la Preachy.
De toute façon, je suis pas un joueur pompe, mais le peu que j'ai joué avec, ben, c'était de la merde. Allez, s'il te plaît, il me reste pas beaucoup de clés, sois cool, file-moi une clé à molette. Transgression pour la BRM, pas mal, pas mal. Comme, franchement, c'est un beau camouflage, mais voilà, c'est une arme que j'utilise pas encore une fois, comme l'autre, c'est quoi? Déjà, j'ai oublié. J'ai oublié le camouflage que je devais aller voir, je sais bien que c'était une batteuse, on va la retrouver, vous inquiétez pas. Allez, encore, c'est parti, les gens. C'est parti, les amis. Firebrand pour la Black Cell. Non. Hein? Ah, ok, c'est. Ok. C'est bon. Ok, tout à fait, c'est pour le paint shop si j'ai bien compris. Alors, 4GB... Eh, j'ai vraiment pas de chat, c'est comme un Advanced Warfare les gens, genre pour avoir la... Comment elle s'appelait, la Speakeasy. Ben, après 6 mois d'ouverture de colis, j'ai fini par me résilier par faire un lobby, voilà. C'est ça ma chance mon pote, c'est ça ma chance. J'ai jamais de chance, même l'auto, j'ai jamais gagné l'auto mon pote. Jamais rien gagné, tu vois. Ah, elle a l'air pas mal le camouflage pour le... Je sais même plus c'est qui ça. Celle qui lance le lance-grenade, je crois. Bon, allez, dernier colis rare. Non, je crois pas parce que j'aurais des clés de cryptage bonus, donc je pourrais encore en ouvrir un. Mais voilà, j'ai rien eu. Encore le Storm. Je vous l'ai dit, le Storm, je vais l'avoir partout, mon pote. Partout. Partout. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, le premier Pokémon que j'ai attrapé, c'était un Pikachu. Et ça, c'est pour me remémorer. Tu vois, le Père Noël, il veut me remémorer. Putain, le français. Voilà, je la méritais. Il voulait me remémorer des souvenirs étant petit. Parce que voilà, mon premier Pokémon que j'ai capturé sur les versions Game Boy, c'était un Pikachu. Voilà, je raconte ma vie, qui a rien à voir avec Call of. T'es pas content? C'est pas grave. Eh ben voilà, je l'ai dans le cul, j'ai rien eu. Aucune des armes, mon pote, aucune des armes. Voilà, un normo. Un normo, un normal. Putain, français de merde, là. Ben voilà. Voilà, vous avez vu ma chance en live. Je ne mentais pas. Comme c'est parti là, je crois que je vais demander un lobby. Parce que je suis sûr dans 6 mois, là, le couteau et de ça, je l'aurais toujours pas vu apparaître. Bref, les gens, je vais vite vous montrer le camouflage que j'ai jamais entendu parler. Ouais, je vais aller en partie privée pour pas défermer classe. Hein, on va pas faire le con. Hein. Create class. Yep, c'était sur la... Là. Non, c'était... Voilà. C'était sur la Corgon, si je dis pas de bêtises. Camo, voilà, Black Market, c'est celui-là. Ah bah ouais, je le connais, je l'ai eu sur un pistolet. Voilà, il est bien, mais sans plus. Il y a vraiment mieux. Et il y avait sur la BRM et la Breachy. Non, la BRM, c'était le Ace. Le Ace, on l'a déjà vu. Hein. Ah ouais, j'ai celui-là. Mais... je suis dégoûté d'avoir celui-là pour la BRM. Enfin, me le donner pour, je sais pas, moi, la Kuda ou une arme que j'utilise, mais pas la BRM, quoi. Et les canons, voilà, là, le Ace, c'est le plus connu. Et il y avait pour la Breachy, un vieux pompe de merde. Ce pompe là, tu fais tellement d'inmarker, c'est abusé. Ok, c'est celui-là. Ah bah elle est moche en vérité. Bon bah voilà, genre, petite vidéo vite fait. Je vous ferai une petite vidéo bah, avant le 30 décembre, j'ai envie de dire. Et là, moi, je pars à Paris. Je suis de retour chez moi le 2 janvier. Mais comme je vous l'ai dit, je prépare une vidéo, donc quand même... pour qu'il y ait une vidéo pendant mon absence, ok? Prenez soin de vous, je vous dis en avance, joyeux Noël, j'espère que vous aurez un beau cadeau sur le sapin, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Maman, je veux la PS4, BO3, et j'espère que vous avez kiffé la PS4 ou la Xbox One, pour ceux qui ont choisi la Xbox One. Bon, c'est vrai, je m'en avance PlayStation, pourquoi? Parce que je suis sur PlayStation. Alors, PlayStation, fais-moi un chèque maintenant, ok? Bon, je rigole les gens, joyeux Noël à tout le monde, je vous embrasse. C'était Benny, on se retrouve très vite, ciao ciao les gens, et merci à tous d'être présents, salut!